comment as-tu pu me tromper avec un homme aussi laid et si peu de charisme? Son gros crâne là. Là il s'éloigne un peu du texte original, non? Sans parler de ses contours faits au sécateur. Non mais sérieusement, t'as vu sa gueule? Tu ferais des cauchemars rien qu'en dormant avec lui. Ah mais que quelqu'un l'arrête! Comment t'as pu me faire ça? Bah Carrie, tout ça c'était pas dans le... Mais wesh, calme-toi mon ref, c'est juste une scène de théâtre. Oh mais qui t'a parlé toi, Nacha? Ok, on coupe tout, on coupe tout. Hey, comment ça m'a pu se faire, c'est SNS. On se retrouve pour le dossier de ne pas rire, et aujourd'hui sera une spéciale Renoir sans eau, épisode 2. Je peux vous le dire, aujourd'hui c'est sûr que vous allez exploser de rire. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire la personne que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Alors, pour appeler Mesfer, le but est très simple, il suffit de voir la vidéo avec dos dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, posez un commentaire quand vous rigolez. Allez, c'est parti Mesfer. Viens, on va discuter. Non, papa, attends. attends, wesh. Ok, tout le monde se rappelle de son rôle? Oui. Très bien, vous pouvez commencer alors. Non, Damien, c'est mal ce qu'on fait. Et si mon mari nous surprenait? T'inquiète pas pour ça, on fera vite et il n'en saura rien. Bon, bah, si tu le dis... Eh, vas-y, pourquoi c'est lui qui joue ce rôle? C'est ma meuf à la base. Bah, Carrie, c'est à toi. Je n'en crois pas mes yeux. Non, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Et en plus, tu as le culot de m'appeler encore chérie? Attends, calme-toi, laisse-moi tout t'expliquer. Ta gueule, toi, sale... C'est pas exactement ce qu'il était censé dire. Comment as-tu pu me tromper avec un homme aussi laid et si peu de charisme? Son gros crâne là. Là il s'éloigne un peu du texte original, non? Sans parler de ses contours faits au sécateur et de sa face de zombie. Chui. Non mais sérieusement, t'as vu sa gueule? Tu ferais des cauchemars rien qu'en dormant avec lui. Ah mais que quelqu'un l'arrête! Comment t'as pu me faire ça? Bah Carrie, tout ça c'était pas dans le script. Ta gueule, sale pute, j'ai pas fini de parler. Oh, mais wesh, calme-toi mon ref, c'est juste une scène de théâtre. Oh mais qui t'a parlé toi, Nacha? Ok, on coupe tout, on coupe tout. Déjà, la droite qui lui met, elle est trop drôle. Et c'est trop drôle après quand ça, le plan de caméra. Ça le filme lui, ça filme sa meuf. Ensuite, ça filme l'autre mec. Tu le vois allongé au sol, c'est trop drôle. Ah bah, ça commence bien. Oh, mais qui t'a parlé, toi, Nacha? Ok, on coupe tout, on coupe tout. Eh, hey, t'es chaud, tu te lèves, tu mets un gros steak au prof. Toi, t'es fou, toi. Je rigole. Bah, en vrai, je suis chaud, hein. Quoi? Vas-y, guette bien. Mais qu'est-ce que... Oh là là, cette journée, elle m'a siphonné. Sors d'où, lui? Eh, hey, t'es sur mon chemin, chef. Mais wesh, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais t'adopter? Eh, ça y est, on va faire simple. Allez, tiens, voilà. Oh, c'était vraiment une galère, ce yinche. Wesh, ça vient d'où tout ça? Eh vas-y, je vais aller voir. Chui. C'est comment ça le mec? Tu te rappelles de moi? Vous êtes? Ah, Carré, tu m'as oublié. Moi, je t'ai pas oublié. Je voulais juste qu'on m'adopte. Toi, tu m'as jeté comme un ballon de basket. Du coup, tu vois, c'est laquelle? C'est nous, on va t'adopter maintenant. Pardon? Au pied. Non, mais chef, tu vas trop loin. Là. Ah, tu veux pas venir? Chopez-le. Wesh, non, attendez. Eh hey Batman, t'es sûr qu'elle est ici? Bah ouais frère, je sens l'odeur de ma Batmobile jusqu'ici. Ah ouais, elle sent comment? Elle sent le luxe. Tu penses que c'est qui te l'a volé? Je sais pas, mais si je le vois, je vais lui niquer sa mère. Ouais, je sais pas ce machin. Ça dit quoi Batman et Robin? C'est l'homme mystère. Eh bah, alors me dis pas c'est toi t'as pris la Batmobile. Ah peut-être hein, ou peut-être pas, c'est un mystère. Ouah, tu crois t'es drôle en plus? Ça y est, t'inquiète, je vais te la rendre. Jure? Bah ouais, faut juste que tu répondes à une énigme. Eh ouais, il est toujours aussi chiant lui. Eh carrément, j'aurais préféré que ça soit Catwoman qui me vole la Batmobile. Ouais, tu dis ça parce que tu l'aurais bouillave. Ferme ta. Bon, première énigme. Eh, vas-y, dis ta devinette, là. Qu'est-ce qui était là à ma naissance et qui ne l'est plus à présent? Ton daron? Ouais, moi aussi, je pensais ça. C'est ça ou pas? Non, la réponse était ma virginité. Attends, toi, t'as déjà Ken? Oui. Oh, le menteur! Bah, t'as qu'à demander à ta meuf, Batman. Wesh. Eh, attends, je te retrouve. Wesh, tu fais quoi, là? Je te localise. Comment ça? Alors, t'es au 79 avenue Gotham Street, au 3ème étage, dans un appartement au nom de...
Wesh, t'es chez ta daronne? Bah vas-y, on va lui rendre visite, hein. Non, mais c'est bon, je te la rends, ta boîte mobile. Guette, elle est là. On arrive. Non, wesh, les gars. C'est bon, t'es prêt à te faire allumer sur ton jeu préféré? Déjà, pour commencer, dose un peu sur les mensonges. Et ouais, c'est bon, je suis prêt. Ok, attends, je regarde vite fait c'est quoi les touches. Je veux voir comment on fait une attaque spéciale. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces touches de zinzin, là? Je suis censé faire comment, ça? Au calme, c'est facile, ça. Vas-y, guette. C'est bon, moi j'arrête. Putain, je suis en train de me faire niquer. Y'a une meuf qui regarde. Wesh. Ah, c'est trop drôle. Le mec il est en train de se faire défoncer. Et dès qu'il voit qu'il y a une meuf qui les observe, pouf, il se transforme. D'un coup ça devient un super guerrier. Y'a une meuf qui regarde. Bien soigné. Wesh. Eh, rappelez-moi pourquoi on fait ça déjà? Bah, Skip, y'a un manoir abandonné là-bas. Mais pourquoi on y va? Bah, je sais pas, Belek, on trouve des sous là-bas. À part un cadavre en décomposition, à la limite, y'a pas, tu vas trouver quoi, hein? Bah, Belek, il a des sous sur lui, le cadavre. Ah ouais, mais toi, tu pars en toi. Wesh, Bakari, t'arrives quoi? Ah, je sais pas, je me suis fait mal en bas là ce matin. Je crois ça saigne en plus. Wesh, comment tu t'es fait ça? Je pense qu'il y avait une épine dans mon calbar. Vas-y, il lui arrive que des dingueries, lui. Eh, c'était ta daronne, ça, non? Eh, mais toi, je vais te monter en l'air et t'enterrer dans cette forêt. Wesh, ça y est, je rigolais. Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ok, les gars, restez calmes et surtout n'ayez pas peur, sinon il va le sentir. Mais comment tu veux qu'on ait pas peur? Le yash, il fait 3,22 km. Je suis un loup-garou pour information. On s'en bat les c'est la même. Non, voilà, pardon, tiens, prends mon tel. Wesh, c'est quoi ce machin? Oh, sa mère, c'est écœurant. My bad, les gars, je me suis trompé. Wesh, tu lui as montré quoi sur ton téléphone? Je lui ai rien montré, je pense qu'il a dû voir mon fond d'écran. T'as mis quoi en fond d'écran? Bah, une photo de ma meuf. Ah, bah, c'est normal alors. De quoi? Non, rien, t'inquiète. Ah, c'est bon, les mecs, on est arrivés. Et ouais, comme je l'avais dit, la seule chose qu'on va trouver ici, c'est des corps en décomposition. Bah, non, il y a la Play 5 à l'étage. Ça tue. Attends, quoi? Bien. Eh, tu m'avais pas dit que le manoir il était abandonné? Bah, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est qui lui alors? Eh, les gars, je crois que c'est Dracula. Qui? Dracula, wesh, le vampire. Comment tu peux savoir que c'est un vampire? Mais wesh, ça se voit! Eh, ça se voit, il guette que des séries de vampires, lui. Bah ouais, frère, son nom est bizarre, là. Ça se voit, il guette Twilight avant de dormir. Oh, mais d'où vient cette douce odeur de sang? Attends, Bakari, il signait pas du zop tout à l'heure? Si. Ah oui, ça vient de là? Non, chef, y'a rien ici. Oh, que si, juste en bas, là, je peux sentir une très douce odeur de sang. Non, mon gars, c'est dans la tête. Wesh, les gars, vous allez où? Laisse taper un croc. Eh, mais d'ailleurs, je t'ai pas dit, hier, Amy, elle m'a ajouté sur Snap. Arrête! Mais attends, c'est pas fini. Elle m'a ajouté sur Snap pour me demander si j'avais le Snap à Tails. Mais non. Eh, la vie, j'allais péter mon crâne. Je l'ai bloqué direct, cette tasse. Eh, vas-y, de toute façon, nique les meufs, ça sert à rien. C'est réel, tous des putes. Il sort d'où, lui? Putain, ils m'ont vu. Wesh, tu vas où? Vas-y, attends, je vais le choper. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? On ne court plus. Oh non, t'es trop rapide. Comment c'est possible? Vas-y, je vais te laisser 3 secondes pour nous dire qui t'a envoyé. 3, 2... Non, voilà, pardon. C'est le docteur Eggman qui m'envoie. Le docteur qui? Le docteur Eggman. Il m'a conçu pour t'espionner. Putain, il veut pas arrêter de me casser les couilles, lui. Vas-y, donne son adresse, je vais aller le voir. Eggman! Mais non, c'est Sonic! Tu fais quoi ici? Je fais quoi ici? Tu me demandes je fais quoi ici? Alors que tous les jours, tu m'envoies tes robots de merde, là? Ton gros crâne, là? Ta grosse moustache, là? Ça y est. Ton gros corps, là? Ta tête de sgueule, là? Ouais, ça y est, frère, pardon! Je suis désolé. Moi, bon, là-bas, je voulais juste que tu viennes pour casser la tête avec un robot que je viens de créer. Ah ouais? Bah ouais. Bah vas-y, en vrai, je suis chaud, hein. Jure, pour de vrai? Non. Ah, vas-y, mon gars, on s'attrape. De toute façon, je savais que t'étais une salope. T'as dit quoi? Non, pardon, c'est une vanne. Wesh, je l'avais pas bloqué, elle? Ah, en tout cas, merci d'être venu. Y'a pas de quoi. Franchement, je sais pas ce qu'on aurait fait sans vous, hein. Parce que là, ta meuf, mon gars, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. On sera payé combien pour ce tournage? Ah, je pense que tu vas être ravi, ma belle, parce que vous serez payé 20 000 euros. Jure! Dinguerie. Je vais juste vous demander de signer ici, s'il vous plaît. Y'a pas de souci. Parfait. Bon, je pense qu'on peut commencer, hein. Du coup, on se pose où? J'ai pas compris. Comment ça, on? Bah, moi et ma meuf. Ah non, mais on a juste besoin de la meuf, nous, hein. On a déjà un acteur, là, il est là-bas. Il s'appelle Ali. Bien. Attendez, c'est quoi qu'il a entre les jambes là? C'est une prothèse? Bah non, c'est mon sgueu. Ah ok, vas-y. Chérie, on rentre. Hein? Pardon? Qu'est-ce que t'as pas compris? J'ai dit on rentre. Je suis désolé, mais ça va pas être possible. Vas-y, t'as...
Toi, tu vois pas le poteau, il a Thanos entre les jambes, tu crois que je vais laisser ma meuf se prendre ça? Oui, mais vous avez déjà signé le contrat. Mais je m'en bats les couilles du contrat, il y avait écrit quoi dessus? Eh bah, il était écrit que vous serez d'accord que votre femme se fasse atomiser pendant 30 minutes d'affilée sans pause. Et que par la suite, un deuxième acteur rejoigne la partie pour atomiser votre femme cette fois pendant 45 minutes. Vas-y, viens, on se casse maintenant. Ah, vous allez où là? Vas-y, cavale, cavale! Les laisse pas partir! Vas-y! Ouais, c'est quoi ça? Attends, je crois que c'est Zabi! Allez, viens ici! Alerte intrusion, alerte intrusion. Ouais, c'est alerte quoi ce bordel? Il y a un intrus dans la Batcave. Mais non, jure, j'avais pas capté. Bref, vas-y, je vais voir c'est qui ce trou de balle là. Je te suis. Wesh. Attends, je crois que c'est du gaz. Non, jure, moi je pensais que t'avais teps. Ah oui, c'est du gaz, trou de balle. En plus, ça y est, j'ai compris c'était qui l'intrus. C'est qui? C'est moi. C'est vraiment une grosse salope. Eh, il se chie dessus en permanence. Ça y est, ça y est. Bref, du coup, le J c'est comment? Tu te rends ou d'abord on te tabasse un peu? Choisis la deuxième option. Aucun des deux frères. Ah bah rien qu'en disant ça, t'as choisi la deuxième option. Vas-y, viens Robin, on le nique ta race. Vas-y. Wesh, calme-toi le baka de Gotham. Qu'est-ce qu'il y a, on le nique plus? Ah, attends deux secondes, tu viens de dire quoi? J'ai dit calme-toi le baka de Gotham. C'est qui ça, le baka de Gotham? Ah, je sais pas, je pense que c'est l'ancien compte TikTok d'un certain Boogie ici présent. Non, non, il ment frère. Bah, moi j'ai pas TikTok moi. Ah bon? Attends, je dégaine mon cellulaire. C'est pas toi ça? Bon, tu veux quoi? Je vais prendre 2-3 costumes derrière là et je vais emprunter la Batmobile 2-3 semaines. Wesh, quoi? Ah mon gars, de toute façon, s'il le fait pas, on fait tourner la vidéo dans tout Gotham. Vas-y, les clés de la Batmobile, elles sont dans la cuisine. Vas-y, vas-y, tu le. Wesh, ça bug trop. Eh, vas-y, c'est normal, y a pas de quoi ici. Ouais, sinon, pourquoi on est là déjà? Ah ouais, c'est vrai, je voulais snapper la mer pour mes flammes. Bon, bah du coup, je le fais maintenant. Voilà, c'est carré. Non, ça, c'est propre, hein. Eh, en vrai, quel son irait bien avec la mer? Je sais pas, je pense, un son posé. Du calage criminel, non? Non. Ouais, vas-y, on va mettre ça, hein. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Franchement, ça passe en vrai. Hein. Wesh, il est tombé dans l'eau! T'inquiète, il résiste à l'eau, mon P9. Faut juste que j'aille le chercher. Vas-y, j'y vais. Oh, c'est bien long, hein. Attends deux secondes, chef. Y'a pas de soucis. Ça y est, gros, on achève si t'as fini. Ah, mais tu parles à qui, là? Bah, à ton avis. Il est con, quoi, Nemo, là? Oh, alors lui, je vais lui niquer sa mère. Non, voilà, pardon. Ah, gros, c'est trop tard pour ça. Trop moche. Monsieur Bakary, vous êtes accusé de vol à main armée, agression à main armée, harcèlement à main armée et de 5 passes ratées au match d'avant-hier à main armée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je souhaite laisser parler mon avocat. Très bien, y a pas de souci. Monsieur Bangazou, engagez-vous à dire que la vérité et rien que la vérité? Ouais, t'inquiète. Bon, eh bien, qu'avez-vous à dire concernant les multiples délits commis par votre client? Bon, bah alors tout déjà, je tiens à dire que c'était pas lui. Voilà, j'étais là et c'était pas lui. Avez-vous des preuves à l'appui? Avez-vous des preuves à l'appui? Eh, ça y est, frère, tu veux trop prouver que tu sais parler français? Guette les mots qu'elle utilise, parle normalement! Vas-y, tu veux des preuves? Guette, le 35 décembre, on était ensemble. On était allé voir une meuf, là. Comment elle s'appelait déjà? Quelle meuf? Ah oui, Mélissa. Elle s'appelait Mélissa. Ouais, voilà, c'était Mélissa. Mélissa. Sacrée Mélissa. Elle date en plus. Hein. Vous avez dit 35 décembre? Ouais, c'était le 35. Ou peut-être le 2. Ou un des deux. Enfin, ou les deux, peut-être. Mais c'était ça. Très bien. Bon, bah du coup, on va écouter le témoignage de la victime. Quelle victime? Eh bien, la victime de l'agression à main armée. Wesh, attends, c'était pas prévu, ça? Non. Il m'a menacé avec un taser et m'a forcé à danser le logo B sur la voie publique. Wesh, madame la juge, il abuse. La ville a bien dansé en plus. Mais c'est pas tout. Il m'a filmé en train de danser et a posté la vidéo sur le net. Maintenant, quand je marche dans la rue, je me fais toujours accoster par des gamins qui me demandent de danser. Votre honneur, vous voyez comment c'est un maxeur? Mon client l'a fait percer et il chiale. L'avoir filmé à son insu est un délit grave. C'est de l'atteinte au droit de l'image. Votre client pourrait prendre 10... Eh, ça y est, abrège. Eh, ça y est, moi je vais proposer un bail histoire qu'on fasse plus vite là. Madame, si vous condamnez mon client, vous êtes gay. Eh, hey, tu vas voir mon gars, là j'ai sorti le grand jeu. Eh, hey, je suis une grosse zoulette si tu t'en sors pas. 15 ans de prison ferme. Après mon gars, toi aussi ta mère. Oh mais alors toi? Ok, tout le monde regarde par ici s'il vous plaît. Qui peut me décrire ce qu'il voit sur cette image? Personne? Bon bah c'est moi qui interroge. Bakary, qu'est-ce que t'inspire cette image? Qu'est-ce que tu vois dessus? Mais attendez monsieur, ça c'est pas une image, ça c'est une paralysie du sommeil. Carrément, ça se voit, l'artiste, il était sous ballon quand il a dessiné ça. Tu trouves ça drôle? Allez, c'est un zéro. Mais quoi? Bon, Stella, peux-tu m'interpréter cette image? Alors, moi, cette image, quand je la vois, elle m'inspire la liberté et aussi... Non, ta gueule, c'est pas ça. Quoi? Mais j'interprète? Non, pas du tout. Là, tu débites juste pour rien. Tu t'es mis à raconter de la merde qui n'avait aucun rapport avec l'œuvre. Allez, tiens, mange ton 2 sur 20, pétard. Mais wesh, il est fou? Bon, vu que vous êtes pas foutu de comprendre une œuvre d'art, hein, c'est vraiment de grosse merde.
Bon, on va dessiner, hein? Je vous laisse une demi-heure pour dessiner un corps humain. Ça va en vrai, ça c'est simple. Ouais, ça serait simple si le prof il arrêtait de se shooter au crack avant chaque cours. Monsieur, j'ai terminé. Vas-y, montre-moi. Ça pue sa mère, hein, lâche ça. Et moi, monsieur? Fais voir. Eh, mais c'est pas mal. Vraiment? Non, je déconne, c'est éteint. Allez, jette-moi ça. Ah ouais, il est pas de mauvais. Monsieur, et moi? Eh, lui, j'ai guetté son dessin, il est trop moche. Eh, le prof, il va le terminer. Fais voir. Eh, guette comment il va le... Ouais, j'y pleure. Wallah, c'est magnifique. Wow, il est sérieux. Le dessin, c'est des bonhommes, il dit Wallah, c'est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais, il est pas de mauvais. Monsieur, et moi? Eh, lui, j'ai guetté son dessin, il est trop moche. Eh, le prof, il va le terminer. Fais voir. Eh, guette comment il va le... Ouais, j'y pleure. Wallah, c'est magnifique. 20 sur 20. 20 sur 20. Vous voyez la bataille d'avant-hier là? J'ai fait une dinguerie. C'est pas, il y a un mec sur son cheval, il s'approche de moi. C'est pas, il arrive devant moi, il m'envoie sa lance, zoa, esquive. Mais non! Et attendez, c'est pas fini. Après ça, c'est pas, je mets un gros chasse-barre dans son cheval. Les deux, ils sont tombés. Les poteaux, ils sont restés par terre, ils sont plus jamais relevés. Carrément, on a cru, ils avaient cané. Ouais, mon gamin, doucement, s'il te plaît. Il veut quoi lui? Ah, je sais pas, c'est toi, tu débites des mensonges comme ça. J'ai un pote aussi, il était sur le champ de bataille. Il a bien vu comment t'étais. Bah vas-y, dis-moi, il a vu quoi? Il m'a dit que pendant la bataille, à un moment, tu t'es fait mêler par un cheval, mais sans destrier. Ouais, c'est faux ça. Et il m'a dit aussi qu'à un moment t'avais perdu ton épée, du coup tu t'es fait courser par tout le champ de bataille. En plus dans son histoire là il a bien menti, parce que c'est lui il est tombé de son cheval en vrai. À Skip carrément les gens ils avaient arrêté de se battre tellement ils rigolaient. Ah c'est vraiment un trou de... Ouais c'est le roi. Non vous savez pas c'est quoi le pire? Après la bataille il a essayé de tirer ma fille et voilà la recale. Carrément mon pote il en a fait un tableau qui était... Eh bien bonjour à tous, il est 15h30 et vous écoutez NRV Radio. NRV Radio. Et aujourd'hui on a un invité assez spécial d'ailleurs car on est avec Bakary. Voilà donc qui je le rappelle c'est... Bah c'est Bakary. S'il a accepté de venir aujourd'hui, bah déjà c'est parce qu'on l'a bien payé cet enculé. Mais aussi parce qu'il va faire une blague à son père au téléphone. Ça va être marrant, je vous le jure. Ouais, je vous mens pas, je suis un peu stressé là. Fils de p***, t'as payé 2000 balles, t'as pas le choix, tu vas l'appeler. Non, t'en fais pas, Bakary, ça va bien se passer. Allez, compose le numéro. Allô? Allô, papa, je t'appelle pour te demander si je pouvais cacher de la drogue à la maison. Cacher quoi? De la drogue. Il t'arrive quoi, là? Tu veux mourir? T'en as marre de la vie? Vas-y, continue. Ben non, t'es con, quoi, je veux juste cacher de la drogue. D'accord, je vois que tu veux que je t'aide à quitter ce monde, c'est ça? Bon, vas-y, j'ai ta localisation, j'arrive. Attends, quoi? Envoie tes adieux par message à ta mère. Non, attends, papa, c'est une blague. Oh, merde. Eh ben, on peut dire que c'était sensationnel. Tu racontes quoi? Il arrive, là? Au calme, on lui dirait que c'était une blague. Ah, il est où, Bakary? Non, attends, papa, c'était une blague, on m'a payé pour faire cet appel. Demande à lui. Monsieur, la vie de ma mère, je lui ai rien dit, c'est lui qui vous a appelé tout seul. Ah bon? Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 15h30 sur NRV Radio. NRV Radio. Mi-temps, mes sphères, j'ai rigolé 3 fois. Ah, sérieux, c'est chaud, c'est énorme. C'était trop drôle au début, le mec qui prend tout au premier degré avec son prof. Quand il met une droite. Ou encore l'autre qui jette le chien. Et qu'après, il revient et il dit, c'est nous maintenant, on va t'adopter. C'était trop drôle. Ou encore la scène avec le jeu de combat. Avec toutes les touches à faire, les manips. C'est trop drôle parce que c'est trop ça. Ça me rappelle à l'époque quand je squattais les Street Fighter. Ou les Tekken et tout. Tu devais t'entraîner à faire plein de touches, tac, 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 tac. Pour faire un mouvement spécial. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. C'est bon papa, on est arrivé à Disneyland Paris. Alors non, j'avais pas l'étal pour ton truc là. Mais j'ai trouvé mieux pour moins cher. Vas-y guette. Disneyland Saint-Denis? Ouais, Skip, ça tue sa mère hein. C'est un bug qui m'a passé l'adresse sur Snap. Mais... Bon vas-y, je vais te laisser t'amuser, je viens te chercher à 18h. Quoi, tu vas me laisser seul? Ça y est frère, t'es grand maintenant, t'as bientôt 18 ans. Mais j'ai 8 ans. T'inquiète, ça passe vite. En plus je dois aller au travail. Mais t'es au chômage. Allez, amuse-toi bien et casse pas les couilles. Ça tue quoi mon pote? Bien? Qu'est-ce qu'il y a, t'as le visage froissé comme ça là? Y'en a, pour rien, pour rien. Vas-y, j'ai capté. Sinon, t'as l'étal pour rentrer ou pas? C'est quoi d'étal? Vas-y, arrache ta tête d'ici. Ah, c'est de l'argent, non? Ah oui, mon père m'en a donné, tenez. Voilà, j'aime bien. Vas-y, là-bas, y'a un truc avec Minnie, tu peux y aller si tu veux. Ok. Ok, faites du bruit pour Minnie Mouse. Salut tout le monde, ça va? Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Ouais, Minnie, monte ta chatte, s'il te plaît. Le Sgega Mickey, il fait quelle taille? J'ai vu une vidéo de Mickey qui galoche Donald. Vas-y, je me casse d'ici. Eh, petit! Il veut quoi, lui? Tu veux écouter les anecdotes de Donald? Y'a que des dingueries. Non, c'est bon. Vas-y, viens t'asseoir. Non, mais j'ai dit que je... Vas-y, viens t'asseoir.
Vas-y, je vais te raconter comment un jour j'ai éteint le roi lion en 1v1 dans la jungle. Vas-y, du coup, l'histoire, elle se déroule à Argenteuil vers minuit. T'as pas dit que c'était dans la jungle? Bah, Argenteuil, la jungle, tu connais, c'est la même. Bref, du coup, c'est pas Simba, il m'appelle et tout, il me propose en tête. Tu vois, moi, je savais, j'allais le niquer. Mais? T'allais niquer qui? T'es là, toi? Ah, je sais même pas, je parlais de quoi déjà? Tu disais que t'avais niqué le roi lion. Venez glisser sur la glace, ça tue sa race. Putain, c'est quoi cette réplique de merde? Ils veulent attirer qui comme ça? Là, il a... Wesh, pourquoi il avance pas? Avance! Avance! Tu klaxonnes qui comme ça? Qui, moi? Non, non, pas toi, je parlais à ta caisse. Non, la vie, j'ai pas fait exprès de te klaxonner. Mais t'es con, quoi, je t'ai dit que je parlais à ta caisse. Bon, du coup, petit con, on fait comment, là? T'es là, tu me klaxonnes et tout, je suis là, maintenant. Ah oh ouais, ça garde le silence maintenant. Eh, c'est vraiment une tapette. Eh, c'est quoi toi là? Descends de la voiture. Hein? Eh, c'est entre toi et lui, hein, moi j'ai rien à voir là-dedans. Descends ou c'est moi je te fais descendre. Bon, vas-y, je vais t'expliquer. Chez nous, quand t'as une embrouille, tu la règles d'une seule manière, la course. Mais bon, vu que ta grosse lampe de bagnole fait la muette là, c'est toi qui vas rouler à sa place. Rouler? Vas-y, je te laisse te transformer. Attends, transformer en quoi? Bah, en voiture, t'es con quoi? Attends, mais moi je peux pas faire. Transforme-toi, c'est moi je te transforme. Y'a pas de soucis. Vas-y, attends. Oui, je veux ça. Ouais, je ma jambe. Et voilà, chef. Oh merde, ça rend vraiment dégueulasse, hein. Ah ouais? Clairement, j'ai même plus envie de faire la course avec toi. Bah, du coup, vas-y, on se pète. Attends, je me détransforme comment? Aucune idée, chef, c'est pas mon dos, ça. Sinon, t'as vu le nouveau skin de Spike sur Brawl Stars? Il tue, hein. Je crois que je vais l'acheter. Faut que j'aille aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lâcher un classique? Vas-y, je t'attends ici. Salut. Bonjour. Ça te dérangerait pas de me filmer, s'il te plaît? C'est pour une vidéo TikTok. D'accord. Ok. Salut, c'est Steven Citation. Nouvelle citation du jour. Si pendant une bagarre tu me vois sourire, cours pour ta vie. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que ça te dérangerait de t'abonner à moi? Non. Allez, s'il te plaît, je fais du bon con. Non, t'as cul. De toute façon, tu verras. Quand j'aurai percé, ne viens pas retourner ta veste. Vas-y, casse-toi là! Bonjour, est-ce que c'est vous qui avez commandé un chocolat frappé? Non, c'était ma meuf, mais bon, je crois qu'elle est partie. Du coup, je vais le prendre. Très bien, donnez-moi une seconde. Oh non, 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 non! Et voilà pour vous, il devrait se réveiller d'ici 3 heures. Bonjour, c'est la première fois que vous mangez ici? Non, c'est ma dernière fois. C'est pas dans le village d'à côté, j'ai vu une petite raclée bien soignée. Mais pourquoi tu mens? Il y avait que des mamies là-bas. Mais sur la tête de mon katana que non? Allez, ferme ta gueule, ton vieux katana là. Ouais, bah mon vieux katana, il découpe ton père, ta soeur, ta mère et ton oncle. Tu vois toi là, si tu veux pas, je te tranche les... Commence à serrer ta gorge. Vas-y, viens les trancher. Ça y est, poteau, oublie l'idée d'avoir des gosses. Oi, arrêtez vos bêtises. C'est qui ce trou du cul là? Je me nomme Senku, samouraï originaire du pays du feu. Ouais, il existe pas ce pays, ta grand-mère. Ouais, bah comme vous, elle aussi, elle existe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on te soulève tout de suite ou c'est comment? Vous savez, quand je vous regarde, je me dis que vous êtes comme des écureuils sur une colline. Des écureuils sur une colline? J'ai pas compris le rapport là. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais parce qu'en fait, je voulais dire un truc stylé, réfléchi. T'as les samouraïs, tu connais? T'es trop con. C'est une dinguerie. Carrément, on devrait t'appeler Senkouille. Par contre, commence à mettre du respect dans mon nom. Mais pourquoi tu nous fais le mec? T'as un nom de trou du cul, c'est bon ou pas? Vous savez quoi? Venez que je vous baisse vos mères. Vas-y, viens. Bismillah. Oh putain, mes couilles! Ouais, attends. On est à plus de 2 mètres. Comment tu l'as touché? Moi-même, je sais pas, mon ref. C'est un don de Dieu. Faut dire machallah. Je me taille. Ouais, j'attends le combat alors. Ta sœur. Bienvenue au crabe croustillant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, je vous prends 2-3 pâtés de crabe, 17 étoiles de mer grillées, du jus de méduse, et mettez-moi une glace de corail au chocolat. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, pas qu'est-ce qui vous ferait grossir à un tel point que vous serez obligé de rouler pour sortir du restaurant. Oh, à qui tu parles, comment ça? Bah, à votre avis, qui se trouve devant moi? Un énorme requin plus lourd que mon appartement ou ta sœur? Oh, sur ma mère, toi, je vais te soulever tout de suite. Ah, parce que en plus de soulever ton poids, tu comptes me soulever aussi? Putain, t'as la foi, hein. Tu sais quoi? Mange tes morts, fils de p***. Si tu les as pas déjà mangés avant. Et va niquer ta grand-mère! Ah, putain. Carlos, me dis pas que t'as encore fait fuir un client. Non, pas du tout, monsieur Krabs. Là, je lui ai juste ouvert les yeux. Normalement, grâce à moi, il est parti à la salle. Ou dans un autre restaurant. Ah, c'est bon, casse-toi. Je vais demander à Bob de s'occuper de la caisse aujourd'hui. Aucun souci. Ouais, Bob. Oui, monsieur Krabs. Ramène ton fiac à la caisse. J'arrive tout de suite. Bienvenue au crabe croustillant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, je vais juste prendre un pâté de crabe et des frites. Très bien, ça vous fera 7 euros. En fait, moi, je suis influenceur. Sur Snap, on m'appelle Petit Poisson 9-2 et tout. Ça veut dire, je me suis dit, y a moyen, je mange gratuit ou pas? J'ai entendu quoi, là? Bah, je voulais juste savoir si c'était possible en mode de manger gratuit. Non, dis pas ça. Tu veux manger gratuitement, hein? Ouais, après, je vous fais une pub si vous voulez. Arrache ta grand-mère d'ici. Mais ouais, j'ai dit que j'allais. Arrache ta grand-mère d'ici, je t'ai dit. Professeur, je suis vraiment pas sûr que ça va marcher. Oh, ta gueule.
Ça va marcher si Dieu le veut. Mais professeur, c'est scientifiquement... Ah ta sœur, je t'ai dit que ça va marcher si Dieu le veut. C'est bon ou pas? Oui, ok, c'est bon. C'est une dinguerie d'être comme ça. Actionne le levier. Entendu. Vous avez dit que ça allait pas marcher. Oui, je pense avoir compris notre erreur. Vous avez compris que c'était impossible de ramener les morts à la vie? Non, je pense que c'est parce que tu as oublié de dire Bismillah avant d'actionner le levier. Professeur, si vous voulez, je peux vous piétiner maintenant. Hein. Piétine ta sœur, plutôt. Allez, c'est bon, je vais vous niquer, rien à foutre de l'expérience. Attends une seconde. Regarde, il bouge. Oh, je suis où, là? Qu'est-ce que t'attends pour snapper, imbécile? Wesh, vous êtes là depuis quand, vous? Et vous êtes qui, même? Et moi-même, je suis qui, même? On est des scientifiques, mon ref. Ça fait des années qu'on essaye de te ramener à la vie. Toi, en revanche, on sait pas trop t'es qui. T'es un random qu'on a déterré comme ça. Pourquoi faire? Je sais pas, on s'est dit que si on ressuscitait quelqu'un, on allait peut-être percer. Sur TikTok, tout ça. On veut becter, toi-même, tu sais. On est en quelle année, sinon? On est en 2024, cousin. 2020? Ouais, j'attends, mais je suis mort comment, même? Bah, sur ta tombe, il y avait écrit que t'étais décédé en ch... Ils ont dit que le classique était tellement gros que ça a déchiré tout. Ah, c'est bon, arrête, je veux plus savoir. Sinon, c'est bon, t'as pris le snap? Ouais, j'ai même ajouté un son. C'est quoi cette musique de merde? Écoute-moi bien, Maccabée de merde. Reparle encore comme ça de Tiakola et ça va te renvoyer dans ta tombe. C'est bon, j'arrive au collège, là. Bonjour. Bonjour. Tu peux me montrer ton carnet, s'il te plaît? Quel carnet? Eh bien, ton carnet de correspondance. Sans ça, tu ne peux pas entrer dans l'établissement. Ah, je l'ai oublié chez moi, chez mes parents. Bon, c'est pas grave, ça ira pour cette fois. Mais tu iras chercher un mot à la vie scolaire. Hein. Ouais, si tu veux, Harry. Ok, c'est bon, c'est enfin la récré du midi. Il est temps de faire sauter ce collège de merde. Wallah, j'ai oublié la bombe. Excuse-moi, Harry, je veux sortir. Tu peux me montrer ton carnet? Mais t'es con, quoi, je t'ai dit que je l'ai oublié ce matin. Ah bah, désolé, mais sans ton carnet, je peux pas te laisser sortir. Frérot, j'ai juste envie de rentrer 2 minutes et revenir. Oui, ça, j'ai bien compris, mais sans ton carnet, je peux pas avoir la preuve que tu es externe. Et si tu es demi-pensionnaire, tu n'as pas l'autorisation de sortir à midi. Ah, c'est bon, ta merde, c'est quoi, je suis même pas un élève. Je me suis infiltré dans le collège, je veux sortir maintenant. Oui, bon, allez, c'est pas le moment pour les plaisanteries, mon grand. Mon grand, mais tu veux que je te... Ou quoi, j'ai une barbe, carrément, je suis plus grand que toi. Et alors, ça arrive que des ados aient une croissance plus avancée? Oh, mais t'es le roi des cons, ma parole, c'est une dinguerie. Hep, jeune homme, c'est pas comme ça qu'on parle à un surveillant. Et vas-y, tu sais quoi, je sors, t'es pas content, ta grand-mère. Je ferai pas ça à ta place. Oui, oui, allez, ta sœur. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'enlève bien facilement, ta barbe. Retente de sortir sans autorisation et je t'arrache le... La vie commence à me faire chier, lui. Garfield! Ouais. Salma tout de merde. Bah, c'est toi, t'as mangé les lasagnes que j'ai préparées. Quelle lasagne? C'est pas moi, frère. Vas-y, tu me casses la tête. Ouais, c'est ça, vas-y, n'achève. Oh, mais tu veux que je t'allume ou quoi? Non, mais je rigole. Vas-y, en plus, tout le temps, t'es à la maison, t'es là, tu prends le rien. Sors un peu. Quoi, dehors? Bah ouais. Eh non, je peux pas. Pourquoi? Bah y'a mes hops qui m'attendent dehors. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah vas-y, va vérifier dehors si tu me crois pas. Bah ok. Wesh! Wesh, pourquoi y'a une meute de chiens devant la maison? Bah, je t'ai déjà dit, c'est mes hops. Mais tu leur as fait quoi? Bah y'en a un, j'ai traité sa sœur de chienne. Vas-y, bref. Ouais, c'est quoi ces bruits de golemons, là? Oh, non, attends, c'est pas ce que tu crois. Tu fais quoi, là? Je vais mettre sur Twitter. Ok, l'équipe, maintenant faites du bruit pour Tonton Modibo. C'est parti, Modibo, on t'écoute. Alors d'abord, dans un premier temps, tu vas m'appeler Tonton Modibo. Parce que moi, je suis pas ton ami, d'accord? Ah, pardon. Eh gros, c'est pas ton daron, ça? Wesh, la vie, c'est lui, il fait quoi là-bas? Mais non, ton père, il est à nouvelle école. Je savais même pas qu'il faisait du rap. Mais même moi. Petit, lance l'instru. Mon fils, il est moche, il est con. En plus, il est nul au foot. Et quand il est venu au monde, mon gars, j'ai senti la douille. Jamais il me sortira de la hesse, il fait que se toucher la nouille. Et s'il s'enfuit de la maison, oh non, que je m'en bats les couilles. Avec sa daronne, on l'a jamais voulu. L'avorter, c'est bien ce qu'on avait prévu. Au dernier moment, elle a changé d'avis. C'était sûrement le pire choix de sa vie. Depuis qu'il est né, je te jure qu'on le savait. Ce bâtard n'allait pas finir savant. Il a zéro meuf, il est pas attirant. À l'école, ça l'appelait tête de savon. Alors moi j'ai trouvé que c'était lourd, c'était sale, pour moi tu passes. Je suis du même avis qu'SDF. Alors moi j'ai bien aimé le fait que tu proposes quelque chose de différent, tout ça, mais personnellement c'est pas ce que j'écoute d'habitude, alors franchement pour moi t'as pas spécialement ta place. Ou alors si, en fait on peut dire que tu l'as complètement, on peut même dire que t'as déjà gagné, en élu les 100K. Un tueur en série est en liberté. Il aurait déjà plus de 28 victimes à son actif, dont les premières à Saint-Denis. À ce qu'on dit, on lui aurait déjà trouvé un surnom, l'éventreur de Paname. Voici l'une des rares photos qu'on a de lui. Si vous le croisez, faites bellec. Allez, plus quoi encore? Je lui mets une teutarie, il tombe. Ouais, vas-y, j'arrive dans 10 minutes, là.
Excusez-moi, j'ai pas de pièces sur moi. Mais prenez-vous, je ne suis pas là pour ça. Bah y'a quoi alors, t'as faim? J'ai pas de graille sur moi, mais si tu veux, y'a un grec à côté. Non, ça ira. J'ai devant moi un repas qui a l'air bien plus appétissant. Wesh, il t'arrive quoi là? Tu veux me graille? Wesh. Ah, non, non, pas du tout. Jure Wallah. Putain. Reste ici! Wesh, t'as cru on était sur Netflix ou quoi? En tout cas, je tiens à vous remercier pour l'invitation, monsieur Backerson. Mais je ne vous ai pas invité. Vous êtes venu m'interroger à propos d'une enquête, non? Oui, c'est vrai. Mais vous avez eu la gentillesse de me faire à manger. Ta gueule. Bon, du coup, concernant cette enquête. Oui, eh bien, je voulais vous interroger parce que... c'est délicieux, qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, c'est un steak de Congolais. Oh non, je voulais dire un steak de bœuf grillé. Oui, voilà. D'accord, bref, on a remarqué que le tueur ne laissait jamais de corps derrière lui. En fait, on pense qu'il les conserve pour les manger plus tard. D'ailleurs, sur une des scènes de crime, il avait laissé un poil de cheveux qui, après l'analyse, nous prouve qu'il s'agit d'un homme noir, non marié, avec un minuscule zombie et un crâne de Comorien. Ah, c'est bon, très bien. J'avoue avoir tué et mangé plus de 48 personnes. J'en ai enterré certains, mais d'autres étaient si bons que je les ai entièrement graillés. Mais avant d'être incarcéré, je souhaiterais avoir... Attendez une seconde, qu'est-ce que vous me racontez là? Eh bien, vous m'avez démasqué, je vous avoue mes crimes. Quoi? Mais non, je voulais vous dire qu'on avait trouvé un coupable. Regardez, c'est lui. Ce ne serait pas un rappeur? Si, tout à fait. Il est connu sous le nom de l'imbécile 140. On compte l'arrêter ce soir. Ah d'accord. Je vous serre une jambe? Une jambe de quoi? D'humain, bien évidemment. Allez. La course va bientôt commencer, alors mettez-vous tous en place. Je t'avais jamais vu, toi. C'est ta première course? Non, j'en avais déjà fait, mais pas ici. Pense même pas que ce sera la même, hein. Ici, y a que des fous. Wesh, mais c'est du karting, c'est tout. Non, toi, t'es pas prêt, toi. Quand je te dis que les gens ici sont complètement touchés, je rigole pas, hein. Tu vois, c'est qui, Luigi et Kirby? Ouais. À la base, c'est les bougs les plus gentils du coin. Pourtant, guette là-bas. Carrément là, personne va rouler à côté d'eux. Ouais l'équipe, la course va commencer. Bon vas-y mon gars, à ta place j'aurai des calmes. Mais bon, si tu restes, bonne chance. Wesh, un flingue. T'inquiète même pas, il va bien te servir. Wesh, il est déjà ici lui. Hey Luigi, c'est vrai que t'as peur des fantômes? Et toi, c'est vrai que si tu perds la course, tu retournes au Mali? Oh, je vais le niquer. Wesh, il va où? Toi aussi tu veux? Non, Wallah, pardon. Et le singe? Guette un peu, j'ai eu quoi dans la boîte mystère? Oh, tu veux pas? Ok. Non! Il est con, quoi? Hey, Link, elle va bien ta meuf? Comment elle s'appelle déjà? Zoba, non? Ah oui, pardon, Zelda. Oh, comment tu parles de Peach? Wesh, il avait dit quoi sur Peach? Bah, en fait, il avait pas parlé d'elle. Mario a compris ce qu'il voulait. Tu sors d'où, toi? Viens, on fait alliance. Ok, vas-y, bouge-toi le nez. OP, on a géré. En vrai, des choses partagent la première place. Voilà mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé 3 fois. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle personne je vais voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle année. Ciao mes sphères.